Eh bien, salut tout le monde, c'est Coulon. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous pétez à la forme. Voilà, moi en tout cas, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft pour vous présenter l'1.45 qui est sorti il y a très peu de temps. Donc, on va commencer tout de suite dans le magasin. Ils ont sorti deux packs de skins. Donc, pack de skins Power Rangers avec les chevaliers et leurs armes en plastique. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est ça. Et pack de skins maître des mini-jeux. Donc, genre, c'est des skins héros, tout ça. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, celui-ci à 2 € et lui 3 €. Pas mal. Donc, attendez, on va rentrer dans le vif du sujet. Le truc que tout le monde attendait, c'est un nouveau mini-jeu qui est le vol plané. Donc, voilà, ils expliquent un peu. Ok. Donc, ouais, le vol plané. Donc, en gros, c'est la course d'Elytra. Donc, on va se la tester. Je vais me mettre en solo pour pas être dérangé. Et. Il y a deux modes, donc contre la montre, donc c'est on a un temps et partir au score, c'est un score avec des cercles. Bon, je vais faire au score. Et aussi, nouveauté de la mise à jour, c'est bah, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a une nouvelle salle d'attente, on va dire ça comme ça, elle est immense parce que maintenant, donc voilà, encore une nouveauté de la mise à jour, maintenant on peut jouer à 16 joueurs. Si je me trompe pas, ouais, c'est bien 16 joueurs. Donc voilà, c'est le double d'avant. Donc franchement, ça peut être bien sympathique. Donc on va commencer. Donc la map caverne, ouais, donc de toute façon, il y a que celle-là. Bon, là, on va tester ensemble ce mini-jeu. Parce que là, c'est la première fois que je vais jouer. Je me suis pas entraîné avant tout ça, donc je sais pas. Apparemment c'est compliqué, on va voir ça. J'ai regardé déjà des petites vidéos de ça et on voyait les gens, ils galéraient à mort. Donc là on va tester, on va voir si je vais dans le même cas qu'eux. Donc je connais un peu les cercles, donc les verts je crois c'est 3 points, les oranges 5 et les bleus c'est 7. Bon déjà, lui je suis même pas rentré dedans, je sais pas pourquoi. Attendez, je vais la recommencer. Ah, enfin, c'est pas trop tôt hein, pour compter les points là. Mais le début, je me suis pas fait accepter. Oh! Ah oui, effectivement, c'est chaud. Ah là, il y a un bleu, on va passer dedans. Vite! Oui! 24 émeraudes. C'est pas mal. Alors, ce qui est chaud, c'est les virages. C'est ça qui est le plus compliqué. Bon, là, on remonte. Ah, là, il y a un orange. On va passer dedans. Ah, ici, il y a un bleu. Vite. Yes. Je suis à 59. Ah, là, il y a orange. Voilà. On prend la vitesse. Ok, 72. Non, il me l'a pas pris. C'est vraiment chaud pour rentrer dedans. Honnêtement, c'est vraiment chaud. Hop, voilà. Ok, pour l'instant, on peut dire que ça peut. On peut dire que ça peut aller. Oh, je peux rentrer dedans, dommage. J'étais à Roi. Et voilà la ligne d'arrivée. Moi j'ai fini avec 104 points, 104 émeraudes. Bon, c'est un score que je trouve pas mal. Bon, après il y a aussi les trophées, tout ça. Bon, là j'ai le trophée sans faute parce que j'ai pas perdu de vie. Après à côté, tu as une émeraude avec 1, donc je pense c'est-à-dire que tu es premier avec ton score. Et puis tu as le temps que tu as mis. Ouais, non, franchement, c'est je trouve ça pas mal. Attendez juste, je vais quitter. Et je vais faire l'autre, alors contre la montre, je crois. On va se le tester aussi, voir un peu ce que ça donne. Donc là, pareil, c'est. Je crois que t'as plus les cercles, c'est avec la vitesse.
Faut vraiment se dépêcher, c'est comme une course. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment chaud, surtout au niveau des virages, tout ça, c'est compliqué. Mais bon, après, à force de t'entraîner, t'auras l'habitude. Bon, faut pas se louper parce que là, c'est le temps qui compte. Faut vraiment être rapide. Et pas se louper parce que là, tu peux perdre au moins 10 secondes de ton temps. Alors, à chaque fois que tu fais une petite erreur comme ça peut être un peu fatal. Bon, allez, faut pas se louper, on y va, je me concentre. Hop. Non! Oh! Non, t'es sérieux? Je suis passé en plus. Petit raccourci. Hop. La vitesse. Hop. On passe par là. Hop. Voilà. Ah, je crois qu'il y avait un raccourci. Merde. J'ai eu un trou. J'y allais. Je vais passer par là. Bon, 50 secondes, on va être à la moitié. Bon, ouais, ça peut aller. Ouais. Ah, il y a un raccourci ici, on va y aller. Hop, voilà. Une minute, on est à la moitié. Ok. Bon, là, on n'a plus le droit à l'erreur. Ouh, non, j'étais passé. Ah, dommage. Vas-y, on va passer par là. Vite! Oui! C'est bon. On descend. Hop, l'arrivée est juste là, et hop, 2 minutes. Oh, c'est pas mal. Non, c'est un score vraiment pas mal, 2 minutes, bon. J'aurais pu faire mieux, hein, mais bon. C'est déjà ça. Bah du coup, je sais pas où faire mon outro. Parce que, bah regardez, voilà, ils ont tout reconstruit, ils ont tout cassé. Du coup, je sais plus où me mettre. Bah écoutez, on va se mettre là. Donc voilà. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez fait des scores mieux que le mien, tout ça. Franchement, ça serait intéressant de savoir vos scores la première fois que vous avez joué, tout ça serait intéressant. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout vous abonner. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!